Ici Obscure Zane, j'espère que vous allez bien les potes, parce que pour moi ça va vraiment super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Obscure Clan, oui les potes. Donc simplement la vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour simplement réaliser 200 kills, même plus, peut-être 300, je ne sais pas, on verra après mes conseils, simplement si vous allez peut-être réaliser un 300 kills ou même un 200 kills, franchement, voilà. Donc voilà, tout simplement les potes, donc directement je vous conseillerais de jouer sur Nuketown, c'est directement clair et net, vous n'allez pas aller sur Untel et claquer 200 kills, 300 kills comme ça. Non les potes, même sur Combine, il y a des personnes qui vont dire ouais t'es Combine. Non les potes, franchement, même Combine est très très dur côté spawn pour faire un 200 kills. Même j'en ai que un de 200 kills alors que j'ai sur Combine, alors que j'en ai plus de 15, franchement sans monter. Donc voilà les potes. Donc je vous conseille simplement de jouer sur Nuketown en groupe de 6. Donc vous jouez avec vos potes tout simplement. Et en plus, si vos potes sont là vraiment que pour votre gameplay, bah, vous leur demandez qu'ils jouent tourelle. Et oui les potes, vous demandez qu'ils jouent tourelle, comme ça vous bloquez les spawns et qu'ils mettent la tourelle alors que ce soit sur B ou t'as une voiture bleue directement, comme ça ça comme ça il n'y a pas de double spawn. Directement ça spawn chez vous. Donc voilà les potes, donc comme conseil également, je vous conseillerais d'être tout seul dans le spawn simplement. Alors un pote vous êtes, parce que c'est vrai que des fois ça spawn de trop. Mais il y aura normalement vos score streak qui seront avec vous. Et oui les potes bien sûr, ne pas jouer dans l'étal pour tenter un 200 kills. À part c'est à limite en hardcore, il y a moyen, mais même si tu veux tenter un 200 kills, que ce soit surtout encore, là simplement tu dois jouer Phantom, Hater, Raps. Si ton groupe est vraiment fort et qu'il sait gérer l'Hater, je te conseillerais de jouer Phantom, Raps et TGI. Comme tu peux voir sous le gameplay, moi je jouais avec ces score streaks là. Bon, t'as pu voir comment le gameplay, pas mal de fois il n'y avait pas d'Hater, j'ai dû gérer solo. Donc voilà, c'est le seul petit défaut. J'avais un groupe qui était bon, mais pas extrêmement super bon, donc voilà pourquoi. Au final, j'ai réussi à faire ce nombre de kills là, mais bon, j'ai eu assez dur, j'aurais pu faire plus s'il y avait plus d'haters. Mais enfin bref, au final, le gameplay est là. Donc voilà. Donc simplement, je vous conseillerais de jouer avec la mitraillette, donc soit une UV. Tout simplement, jouer avec une mitraillette que tu sais gérer, tout simplement, parce que tu vas pas aller avec une fusil d'assaut dans le spawn. Donc tu vas te dire, mais oui, mais pourquoi dans le gameplay, t'es avec un fusil d'assaut? Simplement, c'est vrai que j'étais un peu bête, j'étais avec un fusil d'assaut. C'est juste pour ça que je trouve que le gameplay est assez beau. Donc voilà, avec un fusil d'assaut dans le spawn, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de 200 kills. Avec une manoir simplement dans le spawn. Donc voilà. Sinon franchement je te conseillerais, pour la facilité de jouer avec une mitraillette que tu sais gérer, moi je te conseillerais soit la Weevil ou la VMP. Bon ça c'est comme tu le sens. Après si t'as tes autres SMG, donc mitraillette que tu sais gérer et que tu le sens, bah vas-y tente, moi y'a pas de soucis. C'est vrai que moi je suis bon qu'avec ces deux mitraillettes là, avec le reste c'est pas énorme non plus. Donc voilà. Donc les potes bien sûr, je vous conseille de vous équiper du purificateur, parce que le purificateur, si les spawns sont bien fixes, et bien simplement tu peux réussir à enchaîner 5, 6, 10, 10, 15 mecs. Franchement, vous allez voir sur les gameplay, des fois je vous fais des 7 OS, mais je vous enchaîne des mecs avec le purificateur. Ça peut te booster franchement les kills de ouf. Ça peut facilement, dans une game, je pense que ça pourrait facilement te faire 40 kills. Franchement, je suis sérieux. Tu peux facilement faire à peu près ouais, 30-40 kills, c'est un truc de ouf. Donc voilà, donc je pense que j'ai plus grand chose à dire à part simplement. Donc premièrement, je vous laissais pas prendre B, comme ça la manche s'arrête à 60 points, je pense un truc comme ça, vous laissez 60 points. Et puis simplement, donc pour le deuxième match, donc pour le deuxième round, et bien, simplement, ce qui va être facile, c'est que si tu es vraiment dans ton deuxième, si tu es vraiment dans ta deuxième manche, tu vas enchaîner, je pense, tu vas enchaîner de ouf pendant 140 points. Tu vas pas arrêter de faire des kills, tu vas être dans ton spawn non-stop. Même si des fois tu meurs, tu vas revenir dans ton spawn. En plus, tes score streaks vont bien gérer ton spawn également. Donc franchement, voilà pourquoi je te conseillerais tout simplement de laisser B. Donc ne pas y toucher pour la première manche. Donc voilà. Donc comme tu as pu le voir sur mon gameplay, moi tout simplement, donc j'ai fait 181 kills en une manche. Donc voilà pourquoi le gameplay est ouf. Donc enfin bref les potes, c'était une toute petite vidéo. N'hésite pas à liker, partager, commenter, à t'abonner à ma chaîne YouTube et t'abonner à la Obscure Clan. Like, partage, commente et ciao, à la prochaine. Peace.